Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Zoo d'Animal Park. Aujourd'hui, on va se faire le plaisir d'ouvrir 30 coffres légendaires. J'en ai jamais ouvert autant en vidéo. Là, c'est grâce à Madame You. Hein. Je suis vraiment au taquet à fond. Donc, 30 coffres à ouvrir aujourd'hui. Donc, avec le nouvel animal, le guépard qui vient de sortir aujourd'hui. Le guépard qui était un animal VIP, donc qu'on pouvait acheter avec les packs à 100 euros. Il y a également la promo ticket qui a démarré aujourd'hui avec les plus 15%, moins 15%. On verra ça tout à l'heure quand je terminerai mon guépard à la fin de la vidéo qu'on installera ensemble. On fera le point sur la promo ticket. Du coup, c'est parti. Donc là, on va ouvrir ce premier coffre sur les 30. J'avais déjà commencé tout à l'heure, j'ai eu un petit bug dans la vidéo, j'ai dû recommencer. Donc on verra le pourcentage de réussite du coup sur 30 coffres légendaires, combien j'obtiens de guépard. Donc là, on peut également avoir, voilà, on peut avoir le lynx du Canada. Ceux qui se demandent quand est-ce qu'on peut l'avoir, on peut l'avoir également dans les coffres légendaires. On peut également avoir, voyez, l'éléphant de mer pour ceux qui ne veulent pas attendre les montées de niveau. Voilà un bel éléphant de mer que moi j'ai déjà effectivement au niveau 4. Et ma première pièce de guépard. Et voilà un loup arctique. Pour le moment, ça change un petit peu. On a un peu plus d'animaux que d'habitude. D'habitude, on n'a vraiment que des plantes ou des conneries comme ça. Peut-être qu'ils ont revu leur copie à force d'entendre nos pleurs. Pour le moment, le tirage reste quand même assez pourri. Comme on le dit à chaque fois, et je le dis à chaque vidéo, les animaux que je n'ai pas, je galère à les avoir en ouvrant les coffres. Et les animaux que j'ai des super tirages. Donc c'est, voilà, je pense que leur algorithme fait en sorte qu'on dépense un max de diamants, de clés ou de choses comme ça. De toute façon, ils ne mourront pas. Vu les 200 000 tickets que j'ai en ma possession, ben, ces deux guépards-là, ne vous inquiétez pas, je les aurai. Voilà, deuxième guépard. Ça, c'est une pièce décorative, hein, c'est pas un dauphin. Vous pouvez également avoir la mouflette. On peut également avoir le phacochère, pour ceux qui le veulent, ou le hara rouge. Sur le coffre, pour l'instant, je n'ai que deux guépards. Troisième guépard. Vous pouvez constater, vu le nombre de coffres que j'utilise très peu de clés. Je dois avoir 19 clés en ma possession, quelque chose comme ça, c'est ça. Vous pouvez également avoir le messager solitaire, une quatrième guépard pour moi. J'ai bientôt mon premier guépard. Sur 11, hein. Pas terrible. On peut avoir le mandrill, apparemment aussi. Voilà, ben, j'ai le mandrill. Donc ça, c'est tous des animaux que j'échangerai après, à la fin de la vidéo, pour vous montrer la promo ticket. Gagner 15% de tickets en plus. Tirage vraiment pourri pour le moment.
est à peine à la moitié, donc ça va le faire. J'aurai mon coup, tout ça, il n'y a aucun souci. On peut avoir l'âne sauvage également, qui est ici. Voilà, on est pile à la moitié. L'oryctérop. Qu'est-ce qu'on peut avoir également? Ah, on peut avoir le cacapo. Bah, ça tombe bien, le cacapo, j'ai dû l'acheter en diamant. Donc, bah, voilà, quand j'achète en diamant, on me les donne forcément les coffres. Donc, cinquième guépard. Je vous dis qu'on ne nous donne que des animaux qu'on a. Ok. Pas terrible hein, le tirage. On a fait les deux tiers. J'ai toujours pas mon premier guépard. Hein. 20 coffres pour avoir un guépard. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On pouvait avoir le dragon de Komodo. Bon, le narou, on s'en fiche un peu. Là, il n'y a plus que 10 coffres. Et ben, finir par croire que c'est tout en haut qu'il faut que j'ouvre, pas en bas. Je suis obligé de vous utiliser des clés, c'est incroyable. Voilà, donc un messager solitaire. On pouvait encore également avoir le dragon de Komodo. J'ai mon sixième guépard. Donc j'ai ma première bête. Maintenant, c'est que du bonus. Dans les derniers, il faut au moins que j'ai encore une pièce. Un éléphant également qu'on peut avoir. Voilà, j'ai l'éléphant, j'ai le guépard, donc impeccable. Donc on est à 7 pièces. Donc là, normalement, j'ai mon couple de guépards. On peut avoir également l'hippopotame. Voilà, hippo et guépard, bah ça y est, elle a commencé à avoir un bon tirage là. Impeccable. Je vais pouvoir échanger du ticket, pas mal. Encore un mandril et encore un guépard. On pouvait également avoir cette belle petite fontaine blanche. Bon, bah ça va un peu mieux. Toujours pas de clé à utiliser. Vous avez également la possibilité d'obtenir le morse qui coûte 85 diamants. Que j'ai déjà au niveau 3 ou 4. Encore un mort, décidément. Grosse probabilité d'obtenir le morse dans ces coffres légendaires. Ça y est. Maintenant qu'ils savent que je suis sûr d'avoir mon couple, j'ai pas de guépard. Leur algorithme est un petit peu filou. Encore du guépard. On va avoir l'ours Kodiak également. Et on arrive du coup au dernier coffre légendaire pour cette vidéo. Après, on va aller le placer ensemble. On va terminer les pièces de puzzle. Et on fera un tout petit rapide tour de zoo. Bah voilà, franchement, on va faire le point, mais je pense que le tirage n'est pas dégueulasse. J'avais 30 coffres, 13 guépards, donc j'ai mon couple sans forcer, sans utiliser de ticket ou quoi que ce soit. J'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 nouveaux animaux.
dont l'éléphant de mer, le lynx, le phacochère, l'éléphant, vraiment très beau tirage. On va terminer les guépards tout de suite. Ça, le mandrill, on va vous faire un petit échange en live. Donc normalement, j'aurais dû avoir 2000 tickets. Vous voyez que les 15%, ça fait 2302 tickets. Donc voilà, tout simplement, hein, ça fait monter les tickets. Pareil pour l'éléphant, savoir que les animaux diamants rapportent toujours plus que les animaux pièces. Vous voyez, pour la même somme, on a moitié de tickets avec un animal pièce or. Voilà, ça je continuerai après tout seul. Hein. Ah non, même plus que ça, j'ai eu vraiment une paire d'animaux. Hein, le cacapo également qui est ici. J'étais à 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15 animaux dans ces coffres légendaires. Cette pièce de fontaine là que je vais terminer, parce que celle-là, elle est de plus en plus rare à avoir. Enfin, en tout cas pour ma part, hein, j'ai vraiment du mal d'en trouver, donc je la termine. Voilà, on va aller placer le guépard ensemble. J'avais déjà commencé à construire son enclos, qui doit être par ici. Donc il est là. Normalement, on doit pouvoir en mettre qu'un par enclos. On va vérifier ça tout de suite. Pourquoi il ne veut pas me le mettre? On voit là déjà. On va regarder combien on peut en mettre. Ouais, un par enclos. Donc pour mettre le deuxième, il faut que j'agrandisse de 4. Donc on va en mettre 4 agrandissements. Tac, voilà, comme ça je peux mettre mon deuxième guépard. Tac. On va également regarder de quoi ils ont besoin. Donc ça, pas de souci. Ça coûte pas très cher. Ça, je dois en avoir en stock. Effectivement, ça ne coûtera rien. Hop. Une pièce de jeu. Tac. Et ça, est-ce que j'en ai en stock? Alors. Hop. Alors, à savoir que leur reproduction, ce guépard. La reproduction de ce guépard. Alors, que je retourne dessus. Le guépard, le guépard, le guépard. Hop, on va faire un petit zoom. Donc le guépard qui était un animal, je le répète, VIP, qu'on pouvait acheter qu'avec des packs à 90 euros. Donc il faut un abri de niveau 3 du coup pour reproduire ce guépard avec une augmentation de 2% à chaque fois de chances d'élevage, une durée de 15 heures sans Madame You et un coût de 4 800 pièces. Donc un par enclos de base, un agrandissement de 4 parcelles du coup d'enclos pour avoir le deuxième, pour avoir le couple. Donc voilà ce qu'il en est. Et un gain de popularité de 1200 par animal. Voilà, voilà ce qu'il en est. Donc on n'oublie pas ici, vous retrouvez la promo des coffres avec les tickets plus 15, moins 15, les coffres qui sont également à prix réduit pour ceux qui en ont besoin. La promo qui se termine lundi à midi avec peut-être la place qui sera laissée mardi à l'événement Saint-Valentin, comme vous avez pu le voir dans la vidéo précédente où je précise tout ce qui va se passer durant le mois de février et de mars. Et j'oublie dans cette vidéo de février-mars de préciser que sur le courant du mois de mars, il y a un changement de coffre épique le jeudi 17 mars et un changement de coffre rétro le jeudi 31 mars. Voilà, c'est pour compléter un petit peu ma vidéo précédente où j'avais oublié les changements de coffre sur ces 2 mois à venir. Voilà, prochaine vidéo, coffre rétro et coffre épique, ouverture du coup de 29 et 27 coffres, si je dis pas de conneries, on va vérifier ensemble. Tac, donc la prochaine vidéo, ouverture de 27 coffres épiques et 29 coffres rétro, donc j'espère vous y retrouver. N'hésitez pas toujours à me parler en commentaire, à me poser vos questions, à me donner vos avis, à savoir si vous avez réussi à avoir votre couple. Partagez-moi vos ressentis. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!